C'est dans notre habitude de commencer à l'heure, alors on va commencer à l'heure. Merci de fermer vos téléphones cellulaires et autres appareils. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'information portant sur le projet de redéveloppement du site de l'hôpital de Montréal pour enfants et plus spécifiquement sur les deux projets de règlement P16-082 en vertu de l'article 89 de la Charte et P04-047-178 qui l'accompagne. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui nous écoutent par le biais de la diffusion sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, on n'arrête pas le progrès. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to this information session on the Children's Hospital Redevelopment Project. And more specifically on the two bylaw projects allowing it. This meeting will be conducted in French, but anyone who would prefer to address the commission or ask questions in English may do so. For your information, English copies of the developer's PowerPoint document are available at the welcome desk, just at the door. Je me nomme Hélène Laperrière, je suis urbaniste et commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je serai secondée par Mme Danielle Landry, qui est organisatrice communautaire, et par M. Arlindo Vieira, juriste et gestionnaire d'organismes publics. La commission sera appuyée dans ses travaux par M. Richard Brunel, à ma gauche, qui agira comme secrétaire. À la table d'accueil, permettez-moi aussi de vous présenter Mesdames Christelle Lollier-Théberge et Nicole Mumporese. Elles sont là pour vous accueillir et vous donner toute l'information disponible. M. Gilles Vézina, qui n'est cependant pas ici ce soir, est attaché de recherche et de documentation à l'Office. C'est la personne que vous devez contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Les coordonnées de l'Office sont indiquées dans le dépliant qui se trouve à la table d'accueil. C'est ce soir Mme Brunel-Amélie Bourque qui s'occupe de la logistique. Nous avons également M. Francis Dupuis de la firme Production qui s'occupe de la sonorisation et Mme Louise Philibert à la sténotypie. J'en profite également pour souligner la présence parmi nous de M. Luc Doré, secrétaire général de l'Office, qui est juste à la porte derrière vous. Bonsoir, M. Doré. Pour présenter le projet et répondre aux questions du public et de la Commission, nous avons avec nous, de l'arrondissement Ville-Marie, à ma gauche, Mme Catherine Beaulieu, conseillère en aménagement, M. Bruno Collin, conseiller en aménagement et chef d'équipe, et M. Jean-François Morin, chef de division urbanisme et développement économique. M. Marc Labelle, directeur de la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, assiste également à la rencontre de ce soir. M. Labelle. Bonsoir, M. Labelle. M. Morin présentera tout à l'heure les experts qui les accompagnent et qui seront disponibles pour répondre à vos questions. Bonsoir à vous également. Du côté du promoteur, à ma droite, nous avons trois représentants, M. Serge Goulet, président du groupe de Vimco Immobilier, M. Brian Fahey, urbaniste et président de la firme Fahey et Associés, et M. Jean-Paul Letourneux, architecte et associé de la firme architecte et associé de la firme McNeish-Chouneau Letourneux. Je leur laisserai le soin de présenter leurs collègues présents dans la salle et disponibles pour répondre à vos questions. Bonsoir à vous, messieurs. Tout d'abord, les représentants de l'arrondissement présenteront le contexte d'insertion du projet, notamment en précisant les deux projets de règlement et les justifications applicables aux choix réglementaires suggérés. Par la suite, les consultants du promoteur présenteront leur projet de redéveloppement du site. Tel que je l'ai mentionné en ouverture, le mandat confié à la présente commission par le Conseil municipal de Montréal porte sur deux projets de règlement. Nous les examinerons comme il se doit à la lumière de vos préoccupations et de vos propositions.
Les représentants de l'arrondissement nous expliqueront tout à l'heure en quoi consistent les modifications proposées par ces deux projets de règlement. Quelques mots rapidement sur les étapes de la consultation publique pour ceux et celles qui seraient moins familiers avec les consultations tenues par l'Office. La consultation se fait toujours en deux parties. La première partie porte sur l'information des citoyens par rapport au projet, ce que nous faisons ce soir, à moins de la nécessité d'ajouter une séance additionnelle qui pourrait se tenir demain soir. Cela mettra fin à la première étape de notre consultation publique dédiée à l'information. La deuxième étape de la consultation est quant à elle consacrée à l'audition des mémoires et des points de vue. Elle débutera le lundi 20 mars prochain. Il y a toujours à peu près un mois entre les séances d'information et les séances d'audition des mémoires et des points de vue. Cette étape est très importante puisque c'est le moment privilégié pour nous faire part de vos opinions, préoccupations, propositions à l'égard du projet qui est devant nous. Nous vous suggérons d'aviser l'Office au plus tard le 16 mars de votre intention de faire une présentation orale ou de présenter un mémoire afin de nous permettre de préparer un calendrier d'audition. Vous pouvez également transmettre un mémoire sans présentation orale. Il est important donc d'acheminer vos textes au plus tard le 16 mars, cela permettant à la Commission de les lire avant leur présentation et l'échange s'en trouve ainsi plus productif. L'audition des mémoires se fera ici dans cette même salle. À la suite des séances d'audition des opinions, la Commission rédigera son rapport assorti de recommandations. Elle effectuera son analyse en se basant sur la documentation disponible et ce qu'elle aura entendu de votre part. Bien sûr, le rapport qui sera transmis aux autorités municipales sera rendu public, habituellement dans un court délai, suivant le dépôt aux autorités municipales. Je tiens à rappeler que c'est d'abord et avant tout aux citoyens que cette consultation publique est destinée. Les citoyens ont le droit d'être bien renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion. Permettez-moi de vous rappeler le déroulement de la séance d'information de ce soir. Dans quelques instants, nous accueillerons les représentants de l'arrondissement qui présenteront les deux projets de règlement faisant l'objet de la consultation. Ce sera ensuite au tour du promoteur de nous adresser la parole. Le tout devrait durer environ 40 minutes, donc une vingtaine de minutes de part et d'autre. Je vous espère extrêmement chrono parce qu'on va devoir être extrêmement vigilant à cet égard-là pour laisser le maximum de temps à l'assistance de poser toutes les questions souhaitées. Nous allons par la suite prendre une courte pause au cours de laquelle les gens qui désirent poser des questions pourront s'inscrire au registre à la table d'accueil située à l'arrière de la salle ou à l'entrée plutôt. Au retour de la pause, je vous inviterai selon l'ordre d'inscription au registre à prendre place à la table devant nous. Vous aurez droit à deux questions par intervention. Je vous demanderai de limiter au minimum les préambules, sauf si c'est indispensable pour comprendre la question. Et de réserver, bien sûr, vos opinions pour la seconde partie de la consultation qui se tiendra plus tard en mars. Donc, deux questions. En procédant de cette manière, on permet au plus grand nombre possible de personnes de s'informer sur le projet. Le registre restera ouvert jusqu'à 21h30. Vous aurez donc la possibilité de vous réinscrire pour poser d'autres questions et vous reviendrez à la table, toujours selon l'ordre d'inscription au registre. Mes collègues et moi sommes ici pour vous accompagner dans cette démarche d'information. C'est une procédure qui ne se veut pas trop formelle, même si elle comporte des règles de base, dont l'objectif est d'assurer un bon fonctionnement dans le respect de tous et de toutes. Les questions sont toujours adressées à la présidence. Toutes les réponses fournies par les représentants de la ville et ceux du promoteur doivent aussi m'être adressées. Il n'y a donc aucun échange direct entre le public et les représentants des différentes instances.
dans le but, vous l'aurez compris, de canaliser le questionnement et d'éviter qu'il y ait un débat entre les gens de la salle, les consultants du promoteur et ou les représentants de la ville. Les personnes ressources qui sont aux tables devant vous, ainsi que celles qui sont dans la salle et qui agiront comme experts, le cas échéant, ce soir, sont ici pour nous apporter de l'information qui permettra d'avoir une connaissance fine du projet et une plus grande compréhension de tous ces éléments. La commission sera majoritairement en mode écoute, mais elle peut intervenir à l'occasion pour obtenir de l'information supplémentaire ou des clarifications. Si une réponse ne peut être donnée au cours de la présente séance, elle devra être fournie soit lors d'une prochaine séance, si celle-ci s'avérait nécessaire, ou encore par écrit dans les meilleurs délais, habituellement dès le lendemain. Toutes les réponses sont publiques. Elles font partie du dossier de documentation accessible à tous sur le site web de la consultation. Les séances sont enregistrées et les transcriptions écrites de tout ce qui est dit seront disponibles dans le site Internet de l'Office quelques jours après la soirée d'information. Toute la documentation imprimée est également disponible au bureau de l'Office. En terminant cette introduction, j'aimerais rappeler que j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous et à toutes de bien se renseigner sur le projet. Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et de courtoisie. Je vous demande cordialement d'y contribuer. De plus, j'aimerais porter à votre attention que les consultations tenues par l'Office doivent être conduites de façon crédible, transparente et efficace. C'est pourquoi les personnes qui font partie d'une commission, ou qui la président s'engagent à respecter le code de déontologie des commissaires de l'Office. Vous pouvez prendre connaissance de ce code à la table d'accueil ou dans le site Internet de l'Office. Enfin, sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pendant la séance pour ses archives ou pour utilisation éventuelle dans ses publications, comme le rapport annuel, par exemple. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être photographiés ou filmés, veuillez avertir le personnel de l'Office à la table d'accueil. Le nécessaire sera fait à cet égard. Bien, ces précisions étant faites, j'inviterai maintenant M. Morin à présenter l'équipe qui l'accompagne et à débuter la présentation effectuée par l'arrondissement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de céder la parole à Bruno Collin pour la présentation du projet. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Donc, c'est ça. Avant de céder la parole à M. Collin pour la présentation du projet, je veux simplement vous présenter les membres qui sont assis dans l'assistance comme personnes ressources. Donc, on a Martin Ferland et Bernard Cyr de la direction de l'habitation qui seront là s'il y a des questions au niveau de la stratégie d'inclusion de logement social et abordable. On a M. Marcelin Hudon de l'OMHM pour s'il y a des questions au niveau du logement social. On a Sophie Mays également, qui est à l'arrondissement de Ville-Marie, chef d'équipe au bureau de projet Centre-Ville, pour des questions au niveau du centre Peter McGill. Et on a Louis-François Monet, chef de division du bureau de projet Centre-Ville, qui est également présent pour la question des aménagements du domaine public aux abords du projet, ainsi que le réaménagement du parc Henri Dunant. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Collin pour la présentation du projet. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, le projet de règlement à l'étude est adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de Montréal. Pour simplifier, nous l'appellerons le règlement 89. Pour des raisons de concordance, ce règlement est également accompagné d'une modification au plan d'urbanisme. Voici le site de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants, communément appelé le « Children ». Entre le Square Cabot et le boulevard René-Lévesque. Il est principalement situé à Montréal, mais il comporte aussi un lot dans la ville de Westmount. On voit le liséré rouge. Le territoire du règlement 89 est cependant différent. Entièrement situé à Montréal, il empiète légèrement dans l'emprise actuelle de la rue Lambert-Closse. Ce projet est en effet accompagné d'une importante révision du domaine public environnant. Nous y reviendrons un peu plus tard.
À l'intérieur du site, un espace en jaune à l'écran serait également affecté par une servitude de domaine public et par des espaces destinés au public dans le but de consolider le nouveau ou futur parc Henri Dunant. Le règlement 89 à l'étude permet donc la démolition du bâti existant à l'exclusion de l'ancienne résidence des infirmières ainsi que de déroger à la hauteur et à l'usage du règlement d'urbanisme. Le plan d'urbanisme serait modifié à l'avenant, soit pour l'affectation, la hauteur ainsi que la carte des parcs. Le Children est composé de 6 pavillons construits entre 1919 et 1973. Le plus ancien pavillon est conservé et certaines composantes de l'LD sont intégrées au projet à des fins commémoratives. Le plan suivant montre les grandes affectations du plan d'urbanisme. Comme on peut le voir, le site du Children est affecté grand équipement collectif, grand équipement institutionnel. Or, la modification proposée permettrait dorénavant un usage mixte. Voici maintenant le plafond, les plafonds de hauteur du plan d'urbanisme. Les plus grandes hauteurs sont confinées au centre des affaires, qu'on voit en liséré vert, mais il y a également des hauteurs importantes à ses abords, ainsi que pour plusieurs sous-pôles du centre-ville, comme celui de Guy Concordia ou le CHUM ou l'axe Robert Bourassa, ainsi que le pôle Atwater. Le règlement 89 permettrait donc de dépasser très ponctuellement la hauteur maximale de 80 mètres dans la partie sud du pôle Atwater. Afin de mieux illustrer les dépassements en question, nous avons modélisé le projet à l'étude. Donc, on voit ici en direction sud. Les dépassements sont donc indiqués ici en rouge. Ils sont en fait de 5 à 15 mètres pour 4 des tours et de 40 mètres pour la dernière tour située à l'ouest. Je rappelle que la densité du projet est pour sa part conforme à la réglementation. Par conséquent, pour respecter la hauteur actuelle, il faudrait que ces volumes en rouge soient répartis autrement sur le site, ce qui aurait potentiellement davantage d'impact sur le milieu immédiat. Enfin, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. En ce qui regarde les usages du site, on a ces deux premières tours ici qui sont destinées à des fins résidentielles de type condo. On parle de 400 à 500 logements au total pour ces tours. Le basilaire de la rue, sur la rue Topper est occupé pour sa part à des fins de commerce de détail, tandis que la principale tour à l'ouest est occupée à des fins de bureaux ou d'hôtellerie, ou de bureaux et d'hôtellerie. Le programme n'est pas encore totalement défini. Sur le boulevard René-Lévesque, on retrouve deux tours de logements locatifs cette fois, soit près de 400 ou un peu plus de 400 unités. Le basilaire de ces deux tours est destiné à recevoir le centre Peter McGill, qui aura une adresse principale sur le boulevard René-Lévesque et une entrée principale sur le nouveau parc Henri Dunant. On y reviendra également tantôt plus spécifiquement. Enfin, une dernière tour est destinée à recevoir du logement social pour près de 200 unités et l'ancienne résidence des infirmières sera transformée à des fins de bureau. Le règlement 89 comporte des conditions précises concernant l'occupation de certains espaces, l'implantation, la hauteur, la volumétrie du bâti possible, et la restauration de l'enveloppe de l'ancienne résidence des infirmières. Des exigences particulières sont également imposées pour l'aménagement, l'architecture et le design spécifique du projet, et enfin pour la réalisation, les délais de réalisation du projet. Ce n'est donc pas une simple modification de zonage ou un chèque en blanc. Pour modifier ce règlement, dans le futur, il faudra le soumettre à nouveau au conseil municipal, ainsi qu'à l'examen de l'Office de consultation publique. Bon, un mot maintenant concernant les impacts microclimatiques du projet, les impacts éoliens. Le règlement
Le règlement d'urbanisme prévoit des critères variables pour le dépassement de certaines vitesses de vent durant le jour sur une année. On voit ici 4 mètres secondes, une brise agréable, 6 mètres secondes. Ainsi, une brise légère de 4 à 6 mètres secondes, en fait 4 en hiver, 6 en été, ne devrait pas être dépassée plus de 25 % du temps sur le domaine public en général. Le dépassement ne devrait pas être de plus de 15 % sur les rues d'ambiance comme la rue Sainte-Catherine, ni être supérieur à 10 % dans un parc. Ça, ce sont les critères de la réglementation et c'est sur cette base qu'a été faite l'étude, l'analyse des impacts éoliens. On a les deux illustrations en bas, en couleur, qui présentent les conditions actuelles et les conditions projetées. On note une amélioration des conditions sur la rue Sainte-Catherine et dans le parc Hector Toe-Blake, qui est situé au sud ici. Dans le nouveau parc Henri Dunant, ces conditions seront également très bonnes, à l'exception de l'intersection Tupper et du Sussex ici, où elles seront plutôt détériorées. C'est probablement là où il y a le plus d'impact, d'ailleurs, dans l'ensemble du site, des environs. Dans le square Cabot, les conditions seront très légèrement détériorées, mais elles se maintiennent avec des dépassements en deçà de 14 %. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit ici, mais on voit ici la traduction des couleurs en pourcentage. Alors, 10 %, on commence à être dans le vert. 15 %, on est presque à la fin du vert. Puis 25, on est dans du rouge, là. Alors, on voit qu'ici, on est dépassé les 15 %. Mais dans le square Cabot, en général, on est autour de 13. Il y en a plus. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Il y a des impacts, mais ils sont tout de même modérés. C'est ça. Donc, le règlement a également des critères concernant les vents violents. Et de ce point de vue, il n'y a aucun impact, en fait, ni avant ni après. Il n'y a pas de conditions telles dans le secteur, ni avant ni après. Au niveau de l'ensoleillement, le projet comporte également des impacts. juste pour dire, ce qui importe ici de voir, premièrement, ça c'est une simulation à l'équinoxe avec le projet. On a un cadran solaire en jaune à gauche. Alors, je vais le laisser rouler. Mais ce que je voulais dire avant de le faire continuer, de le laisser continuer, là, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est les dépassements. L'impact des dépassements par rapport à la hauteur permise. Alors, voilà, c'est ce que... En fait, la hauteur permise, la différence avec les dépassements par rapport à la hauteur permise ne font pas une très grande différence, sauf pour la tour à bureau. Sur les parcs Henri Dunant et Hector Toe-Blake, durant l'après-midi, les impacts, vous l'avez vu, seraient les mêmes avec un projet conforme qu'avec le projet avec les surhauteurs envisagées. On pourra revenir au besoin d'ailleurs sur cette question. L'architecte du projet peut présenter ou à la demande là, des simulations de avant-après, des comparaisons entre l'avant et l'après. Alors, on pourra y revenir. Au sujet des avis des comités consultatifs, peut-être un mot. Le comité Jacques Vigée a produit un avis en raison du fait en raison principalement de la modification du plan d'urbanisme. Il est favorable au changement d'usage, mais non à la démolition, ni à la densité ou à la hauteur du projet. La densité est particulièrement décriée par le comité. Cependant, il importe de rappeler que cette densité, soit un coefficient d'occupation du sol de 9, est retenue pour le pôle Atwater dans le plan d'urbanisme depuis 1990. Elle a été confirmée à nouveau en 2004 dans le plan d'urbanisme de la nouvelle ville, ainsi que plus récemment dans le PPU du quartier des Grands Jardins. Or, c'est tout de même un fait qu'il est difficile d'ignorer.
Pour sa part, le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie s'est montré favorable conditionnellement à une série de modifications. Plusieurs d'entre elles ont été intégrées au projet et d'autres le seront, notamment en regard du traitement du rez-de-chaussée, de l'implantation du projet et même de sa volumétrie. Par exemple, les alcôves et les niches au rez-de-chaussée devront être retirées. L'implantation sur rue pourra être améliorée au coin, entre autres, d'Atwater et Tupper, ainsi qu'en bordure du boulevard René-Lévesque. Et enfin, les tours situées à l'est devraient être revues afin de fragmenter leur masse et mieux s'articuler dans le paysage bâti à partir de l'est. Le domaine public environnant le site fait présentement l'objet d'une planification également par le bureau de projet de l'arrondissement. On a ici à l'écran le plan d'aménagement préliminaire. Sur la rue Tupper, le trottoir sera élargi pour avoir un total de 4 mètres, permettant notamment des plantations d'arbres. Le nouveau parc Henri Dunant, qu'on voit ici, est doté d'une esplanade commerciale du côté ouest et d'une promenade du côté est. Il comprendra une plaine gazonnée au centre et le parvis minéralisé du centre Peter McGill au sud. L'entrée du centre Peter McGill ici, son parvis. Un jardin éducatif est également proposé aux abords de ce parvis. La rue du Sussex elle-même est réaménagée entièrement, agrandie. Entre autres, les traverses ici vont être... L'aménagement de la rue va favoriser une liaison, si on veut, entre le parc Henri Dunant et le parc Hector Toblake. Parc Hector Toblake qui lui-même va être rénové en conservant les arbres, le module de jeu qui est situé ici, et éventuellement, possiblement, un second module de jeu pour enfants dans la partie sud. On voit ici une modélisation du nouveau parc. Le parvis, donc, du centre Peter McGill est lui-même conçu pour recevoir jusqu'à 250 personnes, parce que ça serait, en fait, l'entrée effective du centre Peter McGill. Pour ce qui est du centre Peter McGill lui-même, il aura une superficie de plus ou moins 5000 mètres carrés sur deux niveaux. Et il comprendra notamment une bibliothèque communautaire, des espaces culturels, des salles polyvalentes destinées à l'organisation d'activités par ou pour la communauté, une salle de spectacle de 250 places, une salle d'exposition, des salles de médiation et multimédia, un laboratoire culinaire pour des activités de cuisine collective et une halte garderie. Enfin, le centre deviendra donc un véritable lieu de rencontre permettant à tous les résidents du quartier de partager, échanger, participer, créer et apprendre. Pour conclure, nous estimons que ce projet est très structurant pour le secteur. Il offre un nouveau pôle d'activité qui s'adresse d'abord et avant tout aux résidents et usagers du quartier des Grands Jardins, alors que jusqu'à ce jour, l'hôpital visait plutôt la population du Grand Montréal. La densification résidentielle, on parle de plus ou moins 1200 logements, est tout à fait susceptible de stimuler et de diversifier le commerce de proximité du quartier. La grande mixité tant économique que sociale du projet. Le volet communautaire d'envergure, incluant donc le centre Peter McGill et l'agrandissement du parc Henri Dunant. L'inclusion in situ de logements sociaux et abordables. Et enfin, le concept architectural qui présente une forte unité et qui favorise l'animation du domaine public environnant. Alors, c'est un projet qui aura un caractère métropolitain très important en raison de son échelle et sa densité, mais qui, au niveau de l'occupation et de l'usage, sera très intégré à la vie de ce quartier.
Pour terminer, les prochaines étapes, on s'attend à un dépôt du rapport de l'Office de consultation publique aux environs du mois d'avril, de sorte que durant le mois de mai, la révision pourrait être faite des projets de règlement en fonction des recommandations de l'Office. Et enfin, en juin, pourraient à ce moment-là être adoptés les projets de règlement par le conseil municipal. Et l'été prochain, donc, pourraient se faire les dépôts des demandes de permis pour débuter les travaux. Alors, voilà. Merci. Et puis, peut-être juste dire que, évidemment, j'ai survolé beaucoup de points. On pourra développer lors de la période de questions. Merci, M. Collin, et merci d'avoir respecté les temps alloués. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la logistique, mais notre petit écran qu'on a devant nous ici, les illustrations sont très belles, mais toute l'écriture est impossible à lire. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la logistique qui peut arranger ça, mais non, on ne peut pas rien faire. Donc, on comprend que votre présentation PowerPoint va être déposée en documentation. Alors, on aura le plaisir de la lire à ce moment-là. J'inviterai maintenant M. Serge Goulet à présenter son équipe et à débuter la présentation, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Serge Goulet. Je suis président de Devinco. Merci, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Commissaire, de nous recevoir ce soir. Merci de vous être déplacé en si grand nombre. On est bien content et anxieux et enthousiasme de vous présenter notre projet ce soir qu'on travaille depuis près de un an. Tout d'abord, l'équipe qu'on a réunie pour entreprendre la réalisation de cet ambitieux projet, eh bien, on s'est entouré des meilleurs gens qu'on avait sur le marché. Tout d'abord, M. Jean-Pierre Letourneux de la firme MSDL, M. Brian Fahey, urbaniste de la compagnie Fahey et Associés. Nous avons dans la salle nos ingénieurs, les gens de BH, Mme Villemont qui est avec nous. Les gens de BH se sont occupés de l'aspect circulation. Nous avons également nos ingénieurs de chez WSP, M. Ménard, qui eux se sont occupés de l'aspect structure du projet. Devinco œuvre dans le domaine du développement immobilier depuis près de 28 ans, bientôt 29. Alors, ça nous a permis de voir toutes sortes de tendances, de cycles, toutes sortes de façons de développer et aussi d'interagir avec les municipalités et le milieu. Donc, on est bien content d'être ici ce soir pour écouter vos commentaires. Depuis à peu près une dizaine d'années, Devinco entreprit un virage important pour se spécialiser dans les projets à usage mixte, des projets qui vont prôner la cohabitation des fonctions, le développement économique et le développement social. On connaît l'avantage de ces projets-là, ça permet de créer des milieux de vie, mais c'est aussi des projets, par le fait même, qui ont des défis d'aménagement, des défis de construction, comment justement intégrer ces différentes fonctions-là l'une par rapport à l'autre, autant au niveau construction, structure, circulation verticale et accès. Alors, c'est des projets ambitieux, c'est des projets qui ont leurs défis, qui comportent plusieurs défis. Mais chez Devinco, bien, c'est le genre de défi qu'on aime. D'ailleurs, on est déjà présent au centre-ville de Montréal, dans l'environnement Inmesa ici, dans différents projets au fil des dernières années, notamment dans le secteur Griffintown. On a été un des premiers à lancer nos constructions là. L'hôtel Alt que vous voyez, c'est un de nos projets. Également, tout près d'ici, juste en face de l'Institut canadien d'architecture, sur le boulevard René-Lévesque, on a également un projet qui est là. Donc, on est bien fiers de participer à la vie du centre-ville et à la mixité des usages qu'on peut retrouver dans nos projets. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à M. Letourneux. Ou M. Fahey, comme vous voulez.
ça ne coûtera pas plus cher, semble-t-il. Dans un sens ou dans l'autre, mais vous avez tout de même que 20 minutes. Voilà, c'est déjà, vous êtes déjà en retard. Partez. Donc, c'est ça. Alors, comme M. Goulet l'a mentionné tantôt, la conception de ce projet de redéveloppement-là a commencé il y a plus d'un an. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment une chronologie des différentes grandes étapes qui ont été franchies pour vous présenter le projet ce soir. Donc, des étapes qui nous ont permis d'avoir moult rencontres avec l'arrondissement, les différents services techniques de la ville. Et bien sûr, nous avons également rencontré à plusieurs reprises les différentes tables de concertation, notamment la table de concertation Peter McGill et également la table des Grands Jardins, avec qui on a évolué dans la progression, l'évolution de ce projet et qui nous a permis de bonifier le projet qui vous est présenté ce soir. Le projet est également présenté au CCU de l'arrondissement et de la ville de Westmount, ainsi qu'au comité Jacques Vigée, comme l'a mentionné M. Collin. Donc, une démarche qui nous a permis d'évoluer dans ce projet en fonction des attentes des différentes parties prenantes. Et ce soir, bien, on poursuit cette démarche de consultation grâce à l'Office. Et nous sommes convaincus que le projet va continuer à évoluer, à être bonifié grâce à vos commentaires. Le projet poursuit les orientations de développement qui sont contenues dans le PPU des Grands Jardins en s'insérant notamment dans la coulée verte qui part du domaine des Sulpiciens au nord de la rue Sherbrooke en passant par le Square Cabot et se poursuit finalement jusqu'au futur parc du domaine des Franciscains pour atteindre les jardins du Centre canadien d'architecture et le domaine des Sœurs Grises. On est d'avis que le projet de redéveloppement va permettre de solidifier le cœur de cette coulée verte en agrandissant notamment le parc Henri Dunant et en consolidant le lien entre celui-ci, le Square Cabot, et le parc Hector Toblake. Je ne rentrerai pas dans une analyse exhaustive de la trame urbaine, mais à tout le moins dans ces grandes lignes, le site est situé dans la partie ouest du centre-ville, à même le pôle Atwater, qui présente évidemment une forte densité résidentielle, mais également une importante mixité d'usages et de grandes institutions à travers tout le quartier. Je pense que vous les connaissez tous, ou toutes ces institutions-là, que ce soit le Collège Dawson, le site des Franciscains, les séminaires, le Centre canadien d'architecture, les Sœurs Grises. Bref, on est d'avis que le projet qui vous est présenté ce soir, avec l'inclusion d'espaces communautaires à même le projet, va permettre, d'une part, de répondre à des besoins d'un quartier qui est densément peuplé, mais d'autre part, de contribuer également à la mixité des usages qu'on trouve déjà dans le quartier. En s'insérant également au cœur du pôle du métro Atwater, nous sommes convaincus que le projet aura un impact positif sur le dynamisme économique du secteur ouest de la rue Sainte-Catherine. Et à cet égard, on pense être un élément clé dans la requalification, le développement de la rue Sainte-Catherine. Enfin, la création d'un milieu de vie à même le site du Children s'inscrit très bien dans la stratégie centre-ville qui est présentement en consultation dans le cadre des travaux de l'Office et par la création justement d'un milieu de vie où les gens vont pouvoir vivre, travailler et se divertir. En voilà, je passe maintenant la parole à Jean-Pierre Letourneux qui va vous présenter en détail le projet. Merci M. Fay, M. Letourneux. Alors pour débuter un peu d'histoire, le premier établissement à prendre place sur le site est le Western Hospital, qui est fondé en 1874. C'est un emplacement idéal pour l'institution, à la rencontre de deux voies de communication majeures de la ville, Atwater, Dorchester, qui à l'époque permettent de couvrir un territoire assez large. L'avenue Atwater constitue la limite ouest du site et dicte sa forme irrégulière, tandis que le boulevard René-Lévesque-Ouest, anciennement Dorchester,
est fortement conditionné par le relief géographique local, suivant la terrasse Sherbrooke et cherchant à éviter, plus à l'ouest, la falaise Saint-Jacques, d'où son caractère un peu courbe, incurvé. L'évolution de l'occupation du site. Trois ailes seront construites à l'époque du Western Hospital. La première, l'aile Mills, construite en 1880, l'aile Lyell, construite en 1907, et l'aile F, la première résidence des infirmières construite en 1920. En 1924, le Western Hospital fusionne avec l'Hôpital général de Montréal, dont il devient une annexe. La construction d'une nouvelle aile pour les patients privés, appelée LD, est complétée en 1932. Les ailes Mills et Lyell sont détruites pour faire place à l'aile C lors du déménagement du Children's Memorial Hospital sur le site Topper en 1956. L'hôpital achète également un terrain à l'est de l'avenue Essex et y fait bâtir l'aile A qui sert de résidence pour infirmières. L'arrivée du métro en 1966 provoque une augmentation de la fréquentation qui accroît un problème déjà présent de surpopulation de l'hôpital. La construction de l'aile B est entamée en 1973 et se termine vers 1977. La nouvelle aile occupe l'emprise de l'avenue Essex qui disparaît alors. Le site Topper acquiert sa forme définitive avec l'apparition du grand stationnement le long de la rue Lambert-Clausse. On parle ici de 140 années de présence hospitalière entre 1875 et 2015, au cours desquelles il y a eu de nombreuses constructions, démolitions, reconstructions et ajouts qui ont conduit à l'amalgame complexe de bâtiments présents sur le site. Or, le maintien de cet ensemble de bâtiments n'a plus de sens aujourd'hui si on envisage un développement immobilier mixte avec une pareille concentration. Ceci nous conduit donc à la démolition des bâtiments, à l'exception de l'aile F, la première résidence des infirmières. Nos principes d'aménagement. Alors, comme il s'agit d'un projet à forte concentration d'usage, nous les avons divisés en trois pôles. Le premier pôle, un pôle commercial, en lien avec l'activité et la présence de la rue Sainte-Catherine. Le second pôle, un pôle culturel avec la présence du centre Peter McGill, donnant sur les parcs Taublake et Henri Dunant. Et finalement, le troisième pôle qui intègre le logement social et communautaire dans la portion sud-ouest du site. Sur le schéma 2 devant vous, on comprend que les nouveaux bâtiments, implantés presque à l'alignement de construction, contribueront à l'encadrement et à la définition des espaces publics adjacents. Ensuite, le dernier schéma suggère une interdépendance entre les usages commerciaux, culturels et les espaces publics aménagés à proximité. Maintenant, l'implantation de notre projet. Donc, il s'agit de la construction de 6 nouveaux bâtiments qui sont implantés au-dessus des basilaires de 2 étages. Ils sont orientés pour permettre le meilleur ensoleillement et ouvrir les vues dans l'axe fleuve-montagne. Le déploiement de la densité en hauteur permet aussi de dégager des espaces verts considérables au sol. On parle au total de près de 37 % de la surface du terrain si on additionne les parties privées et les parties publiques. S'ajoutent à ces espaces verts des toits jardins au-dessus des basilaires à l'usage des résidents. Tous les bâtiments ont des entrées distinctes donnant sur rue au rez-de-chaussée, 2 accès sont aussi prévus pour le stationnement intérieur de 3 étages. Un à l'extérieur, sur le boulevard René-Lévesque, entre les bâtiments 4 et 6, et l'autre, intégré au basilaire commercial, sur la rue Topper. Cette vue aérienne vers le fleuve confirme notre intention de préserver les percées nord-sud, c'est-à-dire l'ouverture montagne vers fleuve. On remarque aussi la forte présence des espaces verts, autant au sol que sur les toitures basses des basilaires. Il y a aussi une volonté de transparence aux 2 premiers niveaux du centre Peter McGill et du basilaire commercial. Nous souhaitons que les espaces destinés au public contribuent fortement à l'animation du lieu. En ce qui a trait à la hauteur des bâtiments, la tour 1, Atwater Topper,
culmine à 120 mètres. Les trois tours suivantes sont en deçà de 95 mètres et la tour 5, coin Sussex, René-Lévesque, atteint 85 mètres. La tour de logement social, jouxtant la maison des infirmières, atteint quant à elle 65 mètres. Nous visons une architecture avec une certaine homogénéité qui comporte des traits originaux pour chaque bâtiment, mais avec une unité d'ensemble. Cette dernière vue vers le centre-ville montre la tour 1 avec sa matérialité distinctive. Nous préconiserons l'envoi de la maçonnerie pour les bâtiments résidentiels et le mur rideau pour la tour hôtel et bureaux. Si je passe à la programmation, la première composante, on a parlé d'un projet, un projet mixte, bien entendu, donc la composante hôtel-bureau. La tour 1 comporte 32 étages, dont 2 étages commerciaux, 18 étages de bureaux et 12 étages d'hôtellerie au sommet de la tour. La volumétrie tient compte de la mixité des usages. La portion du bas est un peu plus costaude pour satisfaire les exigences du bureau et la portion du haut plus fine en lien avec la composante hôtelière. En ce qui a trait à l'habitation et au commerce, les tours 2 et 3 comportent 27 étages de logements en condominium et les tours 4 et 5 situées derrière comportent 28 et 24 étages de logements locatifs pour un total de près de 77 000 m². Le basilaire commercial de 2 étages constitue l'assise des tours d'habitation. La hauteur de ce basilaire suffit pour constituer un encadrement convenable au square Cabot tout en étant raisonnablement bas pour y assurer un bon ensoleillement. Les espaces verts privés. La cour intérieure constitue un espace vert privé qui atteint 24 % de la superficie du terrain. Cet espace qui s'étend de l'est à l'ouest, au cœur de notre projet, sera animé par la présence de commerces traversants depuis la rue Topper, ainsi que par la présence du centre Peter McGill qui s'ouvre sur celui-ci. Le centre Peter McGill et le parc Henri Dunant. Le centre Peter McGill occupera donc la portion sud-est du site. Il donnera à la fois sur le parc Henri Dunant et le parc Taublec. Il est construit sur 2 étages et totalise près de 5 500 m². Quant au parc Henri Dunant, il couvre 2 130 m², soit près de 13 % de la superficie de l'îlot. On parle donc d'espace vert au sol qui atteint, comme je le disais tout à l'heure, tout près de 37 % de la superficie du terrain. Finalement, la composante de logements sociaux et la transformation de la résidence des infirmières. Le programme de logement social, qui correspond à 15 % de la superficie totale de la composante résidentielle du projet, permet de réaliser un bâtiment de 20 étages, atteignant 14 000 m². Il est prévu d'y aménager 174 logements sociaux, dont 18 pour familles et 154 pour personnes âgées et pré-retraitées. Et finalement, l'ancienne résidence des infirmières qui occupe le coin à Toiture René-Lévesque, elle sera réaménagée en bureau. Merci pour votre écoute. Nous attendons vos questions. Je vous félicite également pour votre tempo. C'est formidable. Une précision, je comprends que M. Goulet et Fahey sont très impatients d'avoir vos commentaires et suggestions. Mais je tiens à rappeler à tout le monde qu'on est ce soir en période de questions. Les commentaires et suggestions au mois de mars, dans un mois. Alors, ce soir, on est ici pour répondre aux questions. J'aimerais bien qu'on s'en tienne à ça. Étant donné le nombre, je pense qu'il serait sage de s'autodiscipliner à cet égard. On va d'ailleurs faire une brève pause. Mais